Nous sommes sur les ténébreuses. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un peut détester sa soeur, être tribaliste comme ça vis-à-vis de sa soeur, maman. Bami Pawa, je te dois quoi, Bami Pawa? Ton direct, Bami Pawa. Bami Pawa, j'étais moi tranquille depuis. Oui. Je m'adresse à Bami Pawa. Tu as discuté le concept avec Roberto Ngangum. Tu as arraché son concept de Bami Pawa. Ça ne t'a pas laissé. Tu me veux quoi, Bami Pawa? Hein, Bami Pawa, tu me veux quoi? Je suis tranquille. Je dis que ce que tu fais vis-à-vis de moi, c'est de la pure jalousie. C'est de ça qu'il s'agit, Bami Pawa. C'est bizarre. Tu es allé jusqu'à où avec Bami Pawa? On t'a effrayé que tu as déposé. Tu peux faire quoi jusqu'à ça marche? Moi, j'ai fait, ça n'a pas marché aussi. Mais certaines choses ont marché. Toi, tu as fait quoi? Ça a marché. Tu as vendu les habits ici devant nous. Ça n'a pas donné. Normal, nous sommes en France. Si tu ouvres une société, ça ne va pas, tu déposes, tu changes même de nom, tu fais autre chose. On peut faire, ça ne marche pas. Ton parcours, tu l'as raconté toi-même. Ton parcours. Chacun a son histoire, chacun a sa vie, chacun a son passé, son futur. Ton futur, c'est dans la télé, mais tu commences mal. C'est très dur. Demandez à Bami Pawa. Demandez à Yamseur Bami Pawa, Lolo, que qu'est-ce qu'elle me réclame depuis des années? Je vais revenir sur ça demain à 17h30. Pour le là, je suis en train de lui dire que elle sera toujours dévoilée et exposée. Nous sommes des stars, des personnages, puis on doit faire attention à tout le monde sans exception. Quelle est cette star qui parle en conférence avec les faux profils, maman? Tu peux avoir ton général, tu as ta wakatologue là, tu as peut-être ta... C'est main des Olomania là. Ça te fait deux personnes, tu peux te confier à eux. Tu as besoin que dès que quelqu'un m'insulte, la personne devient ton confident, ta confidente. Hein? Tu n'as pas honte? Tu penses que toi, on s'est croisé l'autre jour, non? On s'est croisé l'autre jour là, où tu étais en train d'enregistrer ton émission avec Steve Fah. Je t'ai croisé, non? Je suis venu chercher Steve. Tu étais là-bas avec ton... avec Tenchinda. Il est monté la voiture, on est parti. Wow, Benéo! C'était comme avant, j'allais sortir de la voiture, venir t'embrasser, que c'est comment ma soeur, tu vas bien. Pourquoi vous aimez la méchanceté gratuite comme ça? Tu m'as tant saboté. Ça ne t'a rien. Tu as vu que ça ne change rien. Depuis qu'elle fait la paix alors avec Compressor, c'est devenu comme... Il y a même les gens de la TKC qui ont disparu, qui sont avec toi. Parce que j'ai fait la paix avec Compressor. La guerre n'arrange personne. La guerre entre toi et moi ne m'arrange pas. Ça ne me plaît pas. Ça ne m'avantage en rien. Parce qu'une chose est sûre, on va rentrer à l'Ouest ensemble. Mais en attendant, j'ai le droit de te répondre quand ça ne va pas. Je n'ai jamais répondu à tes faux profils. Je ne clash pas les faux profils. Ou tes Nyama Nyama Nchinda. La seule personne que j'aurai à dire demain, c'est ta petite sœur. Je vais lui dire ce que j'ai à lui dire. Ma Djewa. Toi, tu entres dans les noirs pour traficoter contre Mako et moi. Bonsoir ma cochou d'amour, ta photo est toujours là mon bébé. C'est là, hein? Tu sais que je ne la lève jamais. Ton propre homme t'a traité de junkie, mais tu as seulement vu que j'ai sorti les cordes. Pourquoi tu es autant... La stamania, ça ne se force pas, les manières, le style, ça ne se force pas. Tu te maquilles bien, tu es présentable à la télé, hein? Tu es présentable sur Facebook. Facebook t'arrange beaucoup. Tu es présentable sur Facebook. Respecte ton âge.
Tu as vu même quand les Nicole là me clashaient. Tous les petits enfants. Tu m'as déjà vu m'asseoir pour les répondre. Point d'interrogation. Non. Parce que je respecte mon rang. Aujourd'hui, Nicole, c'est la fille de maman Pépé et c'est ma fille. Tu penses que les abeilles disent que Toby, la guerre, c'est la stratégie. Le monde entier saura qui elle est. Et tant que tu as le cœur noir vis-à-vis de tes soeurs camerounaises, tu as été en Côte d'Ivoire, tu as les amis ivoiriens, tu as été en Côte d'Ivoire, tu as clashé Makosso, tout ça, puisque c'est la stratégie que tu donnes pour être star. Ça n'a pas marché. Tu es où? Tu es toujours là au Cameroun avec nous. On est toujours là dans nos choses. Tu veux quoi? Tu as envie quoi au monde entier? Trouvez-moi la capture d'écran où un des Lolo Manioc a fait la vie de décès sur ma mère. Je vais poster sur ma télé. Le monde entier doit savoir. Voici tes gélules que j'ai achetées pour t'encourager. Voilà ça. Voilà ça. C'est ça ici. Pour t'encourager. C'est ça. J'avais acheté ça pour t'encourager, deux paquets. J'ai acheté en solo que tu es ma soeur. Je t'encourage, ce n'est jamais vu. J'ai acheté deux paquets. C'est dommage. J'ai acheté le pain du mariage d'Edouard Bala jusqu'à acheter pour la veuve. Que non, j'achète pour elle. Pourquoi je t'encourage? Toi, tu cherches toujours à me descendre. Pourquoi? Tu me dépasses avec quoi? Tu me dépasses en quoi? J'ai été officiellement mariée. Tu n'as jamais été mariée. Tu es dans le vieil, on reste depuis. J'ai pris l'avion, toi tu as Boza. Parle au Gabon. Hein? On n'a jamais marché ensemble. Mais quand je te voyais, quand je t'ai vu quelques fois, ça m'a fait plaisir. On était au deuil ensemble, à Paris. On était au deuil. À un moment donné, tu as commencé le bruit parce que tu avais bu. J'avais de la peine pour toi. Tu étais avec tes amis. Je vous ai porté dans ma torture pour te déposer à Aubervilliers là-bas. Elle est blogueuse d'État. Parce que je voyais déjà la lue que ça tournait. Tu criais. Tu devenais déjà. Tu avais déjà bu. Et moi, je voulais me rassurer que tu rentres bien. Ça, c'est de l'amour qu'une personne peut donner à sa sœur. Même si ce n'était pas toi. J'aurais fait à n'importe qui que je connais. Mais comme c'était toi, je ne voulais pas que tu restes au deuil et que si ça dégénère, quelque chose t'arrive, j'allais me sentir mal. Au deuil, je parle comme ça du deuil de l'enfant qui était décédé à 12 ans. L'enfant là qu'on avait tué par balle. Le deuil où on s'est vu jusqu'à ce qu'on a dansé devant les abeilles. Or, on était là réconciliés depuis. Mais on a dansé devant qu'on a fini le deuil. Les gens étaient contents de nous voir à deux. Parler à qui? N'est-ce pas, tu as lavé et rincé Steve Fa, tu l'as invité à l'émission. Tu vois comment la vie tourne? Périgord, tu l'as lavé et rincé ici là. Périgord, n'est-ce pas, tu vas inviter les amis sincères. J'étais prise comme une soeur en sortant du deuil. Je t'ai dit que non, je vais te déposer, je ne peux pas te laisser ici. Parce que tu commençais même tiré que non, pas. Tu commençais à parler là fort. Je suis star. Pourquoi il y a un gars là qui voulait ou bien faire quoi? J'ai dit au gars là que je l'ai averti qu'elle ne tente même pas ta main con sur elle. Tu la laisses tranquille. Entre temps, tu as porté les talons. J'étais en cabas. J'ai ménagé. Dit au gars là que tu ne tentes. Hey, j'ai sissé à le gars là. Que tu parles à qui? Tu la connais où? J'ai sissé à le gars là. Hey. J'ai dit qu'on part. Je t'ai porté, je t'ai déposé, je me suis rassuré que tu es entré et je suis parti. Ça, c'est de la bonne foi. Tu ne peux pas me faire du mal, Lolo. Ça ne peut jamais marcher. Tu seras toujours dénoncé, trahi. Non, mais c'est déplorable. Tu m'en veux pourquoi? Autant d'années, tu m'en veux toujours pourquoi? S'il y avait quelqu'un qui peut m'en vouloir à ses compresseurs, j'ai commencé avec elle. Tu es venu en tant qu'un tchinda de compresseur. Tu as oublié comment tu étais tu étais fabriqué, tu étais son tchinda, tu travaillais pour elle. N'oublie pas, c'est elle qui t'a fabriqué. Pourquoi tu recrutes les gens pour insulter? Mais tu as la gueule, non? À tout moment, tu veux les clashs, on fait les clashs. À tout moment, c'est quand tu veux.
Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es dans les faux trucs? Tu entends quoi, coucou, une fille qui vient dire que comment on est lesbienne, comment on était ensemble, c'est monté, c'est descendu. Elle t'appelle pour te dire comment elle va faire ceci. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu ne m'avais pas appelé quand elle t'avait envoyé les voix? Elle t'a enregistré. Mais j'ai reçu ça, j'attendais que tu m'appelles. Mais tu, comme tu vois, l'angala a fait que tu ne l'as pas fait. Alors que moi, j'ai déjà fait un direct, tu m'as appelé que ce sont tes gens. Que pardon, supprime. J'ai supprimé. Tu m'as appelé que supprime le direct là, que pardon, c'est ma famille, ce sont mes gens, j'ai supprimé. Lolo, tu me veux quoi? Point d'interrogation. Tu as déjà fait un direct, un jour, t'as appelé supprime. Non, je m'en fiche. Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu ne respectes pas ton âge? Tu parles quoi avec les faux profils? Tu as été dans tous les teams, les Basso, les Roberto Ngangumo, les partout où tu étais là-bas. Tu commentais. Tu as été avec tous ces gens. Je pensais que ton retour du Cameroun, quand tu es revenu, avec la belle grande rencontre que tu as fait avec ton ami Paul Désir, un gars discret et simple. Je pensais que tu allais changer. Pardon, ne salis pas le jeune là. Sois un peu responsable même pour lui, pour l'amitié que vous avez ensemble. Respecte-toi. Quand il te voit partout commenter dans le noir comme ça, une future présentatrice télé ne peut pas se mélanger à tout et du n'importe quoi. Tous les directs dans le noir, tu appelles. Tu penses en appelant que tu vas te faire une popularité? Non. Tu ne peux pas te faire une belle, une bonne... Tu dois d'abord laver ton image avant d'être présentatrice télé. C'est notre passé qui nous a rattrapés. Tant que tu ne laves pas ton image, tu n'auras jamais de bonnes personnes qui viennent à ta télé. Parce que les gens n'aiment pas les clashs. Que ce soit les artistes, que ce... quand tu vas dire que... Tu vas dire par exemple à une personne que passe à ma télé. On a parlé de cette télé ensemble. Tu as même dit que c'est moi qui allais couper le banderole. Je t'encourage dans ce que tu fais. Parce que ce que tu fais, je ne ferai jamais ça. Ce n'est pas mon truc. Moi, j'aime m'asseoir comme ça si je veux. Je fais ce que je veux sur Facebook. Je ne veux pas avoir de contraintes. Pourquoi tu ne peux pas respecter ta place d'aînée, de grande sœur? Pourquoi tu ne peux pas respecter ta place de femme au foyer? Parce que le vieux reste, pour moi tu es une femme au foyer. Le vieux reste pendant longtemps comme tu es là. C'est le mariage. Jésus! On est ici. Si tu es une première blogueuse, tu te maries. Tu m'as invité tes soeurs, nous sommes là. On se dispute quoi? On a gagné ce même gars ensemble, non? La personne que tu as gagné ce même gars ensemble, c'est la veuve joyeuse. Vous avez tout fait les tous pas. Elle a nia savait autant, c'était son gars, tu as arraché. Maman ministre est sortie avec papa Fodja, tu as récupéré. Donc tes amis, tu nia savait leur gars. Moi, je ne sortirai jamais avec un homme qui est sorti avec une amie, si je connais. Non. Je ne peux pas. Même si les hommes sont finis en bain. Mais si la tous pas, ma copine m'invite et me dit, maman, aide-moi. Mon gars te voit comme ça, ça lui plaît, aide-moi. Parce qu'entre les copines, ça se fait. Ce n'est pas la trahison. Si je dis, si une copine m'appelle que ma co, viens, on y a savé mon gars. Ça, c'est les histoires de femmes. C'est comme ça. Hey, wow, Benno. Mais toi, tu y as et tu as rendu maman ministre folle sur Facebook. Tout ça pour la ridiculiser devant papa Fodja, qui l'a toujours aimé. Tu voulais la ridiculiser que c'est une folle. Maman ministre, ma soeur, je te salue. Elle est sortie de ça. Sa famille l'a pris, on l'a soignée. Tu l'as rendue en dépression devant les gens. Tu l'as montrée devant Facebook. Quand tu t'assois dans le noir que j'ai fait du mal, entre toi et moi, qui a fait du mal? Tu as fait du mal plus que moi. Tu as fait trop du mal. Tu as détruit maman ministre. Tu l'as rendue folle dans ta team. C'est pour ça que ta team ne fabrique que les folles. Va Borosangui, la part de la folie, tu l'as donnée chef. Tu as donné la chèvre du Canada. C'est toi qui as surnommé Borosangui. Tata Lolo Fonja, il faut que je te parle. Le clash crier ne veut rien dire. Parce que pour crier, je peux crier aussi.
Mais je n'ai pas été éduquée comme ça. Je suis une personne qui a été éduquée. Je ne suis pas une fille à problème. Parce qu'on me voit sur Facebook, on croit que non. Dans la réalité, moi, je suis une fille très timide. Je n'aime pas les histoires et je ne suis pas quelqu'un qui est trop bavard. C'est comme ça que je suis. Regarde comment tu as fait du mal autour de toi. La veuve, veuve de Carcassonne, tu as arraché son gars. Tu l'as rendu folle à la canne. Blogueuse d'État. Elle voulait m'amener à la canne. J'ai refusé. J'ai dit que non, toi, go. Elle voulait te détourner que non, c'est toi qu'on préfère. J'ai dit que non, ma soeur, pas. Le jour que je les ai croisés, ils ont dit que on part. On laisse ta soeur là, dis donc. J'ai dit que non. J'ai dit à mon biéta et ma copine. On part au Cameroun. J'ai dit que non, allez-y. Tu es malade? Pourquoi tu es toujours avec les gens avec la peur? Tu n'as pas confiance en toi. Il faut que tu aies confiance en toi. La confiance en soi, au fait, hein, la confiance en soi, ce n'est pas de chanter que je suis belle, je suis la fille de si. Oui, tu es la fille de commissaire priseur, tu es allée à l'école en voiture. C'est bien pour toi. Moi, je suis allée à pied. J'étais à Biémassi. Quand j'étais petite, j'ai fait l'école primaire à Biémassi École. Biémassi École, en face de la Cassia. J'allais à pied. Toi, tu partais en voiture. Toi, ce qui tes parents... ça dit que quand tu parles même de que tu es la fille du commissaire priseur, normalement, tu devais être dans un bureau en train de signer seulement les papiers que tu as tellement été à l'école. Regarde comment tu as entraîné même ta petite soeur, une intellectuelle. Elle s'assoit, elle prend la photo, elle met sur le chauffage. Au lieu de dire à ta soeur que ma petite soeur, une jeune célibataire comme toi, occupe-toi bien des enfants. Elle prend d'abord les photos. Elle pose sur le chauffage. Dis ta rêve que je lui ai dit qu'elle filme un peu où elle habite. Qu'elle filme un peu le petit cadre où elle vit. Elle pose sur Facebook. Elle montre, on voit. Une jeune fille comme elle n'habite pas comme si elle était au Cameroun. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle cadre photo. Mettre les cadres photo. Elle ne tape pas. Moi, je ne comprends pas. Et puis quand tu entends parler fort, tu te dis que mais c'est quoi ça? Non, dis ta rêve qu'elle arrange un peu son intérieur où elle vit. Elle fait l'espace pour l'enfant, pour les enfants. Elle met le tapis, elle fait l'espace pour que les enfants jouent. Que quand elle est en direct, qu'elle arrête de trop parler à l'enfant. Que c'est pas comme ça que ça se passe. Qu'elle apprendre à faire les directs. Elle a encore du chemin, elle a encore à apprendre. Elle crie, mais le direct, ce n'est pas de crier. Une intellectuelle qui est célibataire, mais doit vivre dans un endroit quand même correct. C'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Ça aide d'arranger. La dernière fois, pendant qu'elle était en direct, l'enfant a bu l'eau dans le cabinet. C'est quoi ça? Qu'elle s'assoit, il faut dire qu'elle s'assoit, mais parce que c'est toujours flou. Quand elle fait les directs, elle suit le téléphone, elle se met bien. Pourquoi les gens des ténébreux là sont toujours dans les maisons, un genre, ils sont tous dans les cadres, un genre comme ça là. C'est quoi ce truc? C'est quoi cette jalousie? Là, je suis invitée aux États-Unis, je m'en vais aux États-Unis, j'ai deux prestations. J'ai trois prestations. Atlanta, je suis à Boston. Le vendredi, la soirée des abeilles. Donc venez nombreux les abeilles. La soirée, la nuit des abeilles à Boston. Le dimanche, j'ai autre chose privée. Le samedi, j'ai autre chose privée. Après, je suis à Atlanta. Je reviens en France. Je repars encore. Bats-toi pour voyager. Voyager, c'est découvrir le monde. C'est une richesse. Quand on est star, c'est une richesse. Ne dites plus que dites donc. On l'invite seulement. Non, je découvre le monde. Rien ne m'impressionne. C'est une vieille chouette, une rococo. Même un gars ne peut pas me draguer. Il me parle que les pays ont fait que... Parce que c'est une fille qui a, voyagé, qui a l'esprit ouvert. C'est une vraie femme qui va rester dans le mariage. Hey, laisse les gens. Je dis et je redis encore.
rêve, je t'ai entendu vouloir parler de ma mère dans le noir. Ma chérie, je t'entends souvent pleurer ta mère. Quand tu pleures ta mère, la façon que tu fais, je me demande vraiment si tu t'es vraiment occupé d'elle, comme tu dis. Parce que si tu prenais soin d'elle vraiment, au pays, même il y a les voisins, la famille qui t'aide. En Europe, ce n'est pas pareil. Ne prononce plus jamais ma mère dans tes directs, même en bien. Ouvrez bien vos oreilles. Je te parle à toi, Rêve, la petite soeur de Lolo. Ne parle plus jamais de ma mère. Laisse les autres parler. Votre faux profil, je vais poster tout à l'heure. Dans les moments difficiles où j'ai failli péter les câbles, on ne me voyait plus. J'étais mal, la personne qui m'appelait matin, midi, soir, compresseur, Henri Mamouza, les abeilles. Ma bango pressée, la mère va bien. Les gens même qui ne... Est-ce que la mère va bien? Parfois, je ne prenais même pas parce que à l'hôpital, je ne prenais même pas. Mais je remercie tous ces gens-là. Aujourd'hui, là, ça va tout doucement. Ce matin, son taux de sucre, j'ai piqué, c'est à 35, ça va. Sa tension aussi, ça va. Je suis devenue aide-soignante, c'est malgré moi. Je suis là, scotchée à la maison. Oui, c'est une bénédiction que tu prends. Rêve, ne parle plus jamais de ma mère. Quand tu entends les dire où on parle de ma mère, pardon, pour les moments de bonheur, de partage que j'ai eu avec ta grande soeur Lolo, n'entre plus jamais où on parle de ma mère pour parler de ma mère, même en bien. Ça, je te l'interdis. Et si tu es une femme, comme on dit femme, parle encore de ma mère et tu verras ce que je vais te faire. Comme tu dis que tu es trop. Je dis que parle, prononce encore ma mère un jour. Si ma mère n'importe quoi, c'est ma mère. Fichez-moi la paix. C'est de ma faute. Mon, comportez-vous bien. Toi, Rêve, tu fais la concurrence avec ta soeur. Avec ta propre soeur, tu fais la concurrence. Avec ta soeur. Pourquoi ta soeur ne partage pas tes vidéos? Point d'interrogation. Pourquoi elle ne partage pas? Parce que c'est les ténébreux qui partagent. Pourquoi ta soeur ne partage pas tes directs sur son mur? Puisque c'est à elle de te fabriquer. Tobias Chou. Elle ne peut pas te fabriquer. Et moi, ne te fabrique pas. Tu vas te faire seul. Et tu vas réussir ton Facebook. Vous pouvez soutenir les gens sur Facebook sans insulter les autres. Dieu m'est témoin, Seigneur Jésus. Dieu m'est témoin. Je lèche ma chaussure. Hein? Je jure sur ma mère qui est couchée là. Je n'ai jamais appelé une personne qui insulte Lolo sur Facebook. Ou même compresseur pour dire que insultez-la aujourd'hui. Vous allez, je ne suis même pas dans les, comment on appelle, les groupes avec les abeilles, tout ça là. Je n'ai jamais fait ça. À grand jamais, parce que, bon, je n'entre pas dans tous les directs. Je découvre. Toi, dans tous les directs, dans les noirs, Lolo, tu es là-bas. Tu penses que si tu ne changes pas ton cœur, ta télé ne marchera pas. Tu vas recevoir que les vendeuses de prunes, les vendeuses de piments, et les artistes bracata qui ont raté leur vie.